Alors un de Maître Gims, non je déconne, de Brassens, le tube de Brassens. Alors les tubes dans Brassens, c'est plutôt ce que tout le monde connaît, voilà. Alors j'ai essayé de trouver des tubes quand vous avez quelque chose à dire dessus, soit musicalement, soit... Donc le premier c'est la chasse aux papillons, donc vous ne gagnerez pas de disque parce qu'il n'y a pas de question. Parce qu'elle a une particularité. Dans la chasse aux papillons, il monte d'un demi-ton. Là, en général, j'en ai perdu deux, trois. Alors, le demi-ton, c'est le plus petit intervalle de notre oreille dans notre système occidental. Là, j'ai fait un demi-ton. C'est une case, en fait. Ça, c'est un demi-ton. Alors ça, c'est beaucoup utilisé chez Jean-Jacques Goldman. Il fait un refrain, puis il monte d'un demi-ton, d'un demi-ton, d'un demi-ton. Et puis, il touche là, ça sème, ça récolte. Bon, lui, il l'a utilisé vraiment qu'une fois. Sous cette forme-là. Fait l'intro les mois. Un petit diable, merci madame. Un petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et la peau lissante, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse son papillon. Comme il atteignait l'oreille du village, filant sa quenouille et puissant brillant, il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'emmène à la chasse au papillon. Sans le rien ravi de quitter sa cage, mais sa robe de veuve et ses montillons, et bras sur un sou, dans les frais bocages, il monte à la chasse au papillon. Il ne savait pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qui transgressait les cœurs de leur âge, les vieux chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage, c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu, qui criait, sois sage, il pose à sa bouche en guise de baillon. Et ce plus charmant, père du ménage, on est mémoire de papillons. Un bon pendant l'âme, des matos, village, en se promettant mal et des millions, des milliards de fois, et même davantage, en faisant la chasse au papillon. Et tant qu'il se montant que les nuages, porteurs de chagrin les épargneront, ils frappent dans les frais bocages, ils feront pas la chasse au papillon.